Bonjour, je suis Laure Barafort, je suis maire de la commune de La Melouse, élue depuis 2014. Alors, l'initiative de la chèvrerie communale a démarré en 2006 avec l'ancienne municipalité. Les travaux ont été faits en 2007. Et voilà, la mise en place est faite à partir de là, 2008, je pense que c'était fonctionnel. Elle a été faite alors avec des aides financières de la région, du département européen et aussi 20% de la part de la commune. Le projet a été porté par le syndicat des Hautes-Vallées-Cépenol et la chambre d'agriculture, et c'est un accompagnement important pour la commune. Ceci dans le but de maintenir ou de créer la possibilité à des agriculteurs ou de les maintenir ou de leur permettre de venir s'installer sur la commune. Et également pour maintenir les milieux ouverts. Parce que, évidemment, depuis les années 60 ou un peu plus, les milieux se ferment, faute de bras. Voilà. C'est pour être accueillant, et la politique de la commune est encore de maintenir cet effort fait par rapport à l'installation de nouveaux agriculteurs. Des conseils que je donnerais à quelqu'un qui serait élu, qui voudrait faire ceci sur sa commune, c'est de faire une bonne étude initiale, de surtout communiquer avec la population, de manière à ce que le projet soit accueilli, compris et accueilli, qui est important, parce que la non-compréhension, c'est souvent un gros écueil. Et puis, de soutenir ce projet et de se faire aider. Et comme disaient d'autres collègues, d'être persévérant.